Et bonjour YouTube. Suite de nos aventures sur Lost Judgment, où nous étions arrêtés au lycée, nous continuons les intrigues. Par contre, j'ai un trou de mémoire. Oui, on avançait dans l'histoire de la Sugar Baby, qui est en fait une élève du club de danse. Je crois que c'était ça. Oui, ça fait plusieurs jours, ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué. Et d'ailleurs, je pense que cette session, Lost Judgment, sera la dernière avant le déménagement. Car en fait, je pourrais continuer genre facile là, jusqu'à toute la fin de semaine. Mais j'ai pas trop envie d'avancer. Et je pense que suite à cette session, la suite du coup du let's play se fera avec le nouveau setup. Donc ça sera dans pas mal de temps. Ça sera probablement dans... Enfin, pour moi en tout cas, ce sera dans 2 semaines. Plus. Enfin, plus que 2 semaines, je pense. Que ce sera dans presque 3 semaines, en fait, que je continuerai le jeu. Donc il y aura un gros gap entre ce qui va se passer là aujourd'hui pour moi et les prochaines sessions. Parce qu'il y a un gros décalage hein, entre les VOD et... Enfin, quand je fais les VOD et quand vous les voyez sur YouTube. Mais pour le coup, je l'avais setup comme ça. Sauf que là, bon, du coup, étant donné que... Je vais y arriver. Étant donné que là, j'ai commencé à tout bouger. Voilà, avec Emma, on va commencer à tout... Voilà, on va anticiper le déménagement, en gros. Et puis même là, ce setup-là... comment vous dire que j'en peux plus? J'ai hâte de me barrer et je sais quand est-ce que j'aurai ma ligne, ma fibre, du coup. Donc je pourrai continuer le let's play, voilà, dans de meilleures conditions, ce sera beaucoup plus quali. Et voilà, on respirera tranquillement, on finira le jeu, pépère. Alors il y a, voilà, il y aura des choses, peut-être qu'on les fera pas ensemble. Je ferai peut-être pas le 100%. Mais on essaiera de s'en rapprocher. Parce que j'aurais peut-être même pas le temps en fait, de tryhard en off les trucs que je pensais tryhard. Donc on verra. On va faire le maximum. Je voulais juste checker un truc. C'est ça que je voulais checker. Parce qu'en fait, il me semble qu'on a avancé dans les affaires secondaires en avançant avec les intrigues du lycée. Enfin, c'est bizarre en fait. Parce qu'il y a une case intrigue du lycée. Ouais. Bon, peut-être pas en fait. Non, c'est peut-être juste ça. Ouais, bon. Il en reste pas beaucoup, il en reste que 9. Hein. Donc ça va peut-être venir. Mais bon, bref, on continue. Je sais plus où on en était. Vous êtes prêts? Bah vas-y, mais je sais plus pourquoi. Fallait pas rendre visite à je sais pas qui, là. Ouais, c'était ça. Voici donc l'appartement d'Itokura. Voilà. Il y a des doublages? Ok. Bah, let's go, c'est des doublages. Kotoko. あたし忙しいの。帰って。でも私、ことこと話さなきゃいけないことがあるの。帰ってよ。今すぐ帰って。糸倉さん、まだ切らないで。大事な話があるの。私、ミステリー研究会の天沢京子というものです。は?ミスケ?天沢?なんで?高梨さんは あなたのためにパパ活をしていたの。あなたが戻らない限り辞める気はないって。パパ活?私のため?意味がわかんないんだけど。糸倉さん、
不登校が原因で授業料免除が打ち切られそうになってるんでしょ。だから高梨さんはあなたの代わりに授業料を払おうってパパ活をしてたの。はあ？それでさっきすごくひどい目に遭ったんだけど、高梨さんまだパパ活を続けるって聞かなくて。ちょっと、さっきの話どういうこと？私のためにパパ活してたって。だって実行委員で私琴子のこと無視しちゃったし、だからって人の授業料のためにパパ活？バカなの？そもそも赤の他人がどうやって立て替えるつもり？赤の他人じゃないよ、親友だよ。いや、そういうことじゃなくてさ、なんでそこまでしたの？ちょっと黙ってたらわからないでしょ。琴子覚えてる？中学の頃私のダンス見て褒めてくれたよね。は？何？あの頃の私、シャイで自信がなくて、引っ込み思案で人前に出ることなんてなかった。だけど琴子が私のダンスを褒めてくれたから、みんなの前で踊れるようになったの。あんたのダンスをバカにするやつがいたら私が懲らしめてあげるって言ってくれたよね。そんなこと。琴子がいつでも私の味方でいてくれたから勇気を持つことができたんだ。それなのに私、それなのに私、琴子のこと無視しちゃった。琴子はずっと私の味方でいてくれたのに、私実行委員のみんなに嫌われるのが怖くて、琴子の味方をしてあげることができなかった。ごめんね琴子、ごめんね。何なの今さら。帰って、学校戻る気なんてないし。でも、あ、糸倉さん、いいかな。俺、ミスケンの外部指導員してる矢神ってものだけど。は？何？なんとか副学考えてくれないかな。このままだと彼女パパ活やめてくれないと思うんだ。君だって高梨さんがパパ活を続けてこれ以上危険な目にあったら嫌だよね。まあ、私のせいで何かあったら寝覚めは悪いけど、でも学校は嫌。クラスにはムカつく奴らがいるし、考えただけで吐き気がする。On n'arrive à rien de cette façon. Comment la convaincre de revenir ? C'est quoi le bouquin qu'elle a en fait ? Je sais pas c'est quoi le bouquin qu'elle a. Il y a un salon, un cadre, un porte-manteau. J'en fais quoi de cette information ? Un club de danse, mais Soria, ikinari kyoushitsu ni kuru no wa yada yo na. Dattara, mazu wa rihabiri gawari ni ダンス部に来てみないか。はあ？なんでダンス部に？ダンス部なら友達の高梨さんもいるじゃないか。来やすいだろう。いや、冗談じゃないって。あんなパリピだらけの部活なんて。それは偏見だよ。おとなしい子だっているよ。とにかくいきなりダンスなんて無理。ずっと体育だってしてないんだし、そもそも運動嫌いだし。Bah, club des mystères. Ouais, bah en fait, voilà. Je saurais lire le japonais. Ça se trouve, j'aurais lu que oui, c'est un roman d'Agatha Christie qu'elle tient. Sauf qu'on sait pas. On sait pas parce que, voilà. Ma bite. Yonderu sono hon. Mystery, d'ailleurs. Mystery, ga suki nan. Ma, suki da kedo.
それなりに。だから何？ミスケン、興味ない。は？教室に嫌な連中がいて行きにくいってなら、まずはリハビリ代わりにミスケンにだけ顔を出してみたらいい。そこから徐々に復学を目指していくんだ。理事長のことは俺から説得しておくからさ。そもそもなんだけどさ、なんで学校に行かなくちゃいけないわけ？学校だけが人生じゃないでしょ？要するに社会で生き残っていく力さえあればいいんだから。学校なんてバカの行くところなんだよ。別に私には必要ない。まあ学校が全てじゃないってのはわかる。実は俺も高校出てないんだが、それなりに食えてる。ほら、だったらいいじゃん。 Attends, il a pas son bac et il a quand même sa licence d'avocat? What the fuck? 外部指導員として活動するようになって感じてることがある。俺はこいつらが味わってる、なんつうか、青春みたいなものを味わうことなく大人になっちまったんだなって。青春？ああ、天沢やダンス部のみんなが同世代の仲間と生き生きと過ごしてる姿を見ると、素直に羨ましいって思うんだ。だから糸倉さん、まずはミスケンにだけ顔出してみて様子を見てみないか。俺みたいに後で後悔しないようにさ。その結果、学校なんか必要ないって結論出すなら、そん時になってから退学すればいいじゃないか。まあそこまで言うなら考えてやってもいいけど。来てくれるの？放課後ミスケンにだけ顔を出す。それで授業料免除が続くならって条件でね。そこは八神さんが何とかしてくれるからきっと大丈夫。何せ弁護士だし。Ma mission, convaincre le proviseur de continuer à donner de l'argent à une... Oui, d'accord, ok. Vous pensez qu'Itokura va revenir au lycée? Je ne sais pas. Elle a dit qu'elle allait y réfléchir. Moi, je suis sûr que oui. Si Kotoko voulait nous dire non, elle n'y serait pas allée par quatre chemins. Je suis du même avis. Itokura tient beaucoup à ses amis. Vous avez vu comment elle a couru quand elle a entendu que Takanashi travaillait comme Sugar Baby? C'est vrai. Alors Takanashi, tu comptes laisser cette histoire derrière toi et revenir au club de danse? Eh bien, est-ce que vous pourriez parler au proviseur et le persuader de maintenir la bourse de Kotoko? Tant qu'Itokura accepte de revenir, je devrais pouvoir m'arranger avec lui. Ça ne devrait pas poser de problème. Serio est un lycée privé et les règles sont donc un peu plus souples. Ah bon? C'est pas le contraire normalement? D'accord, alors je vais reprendre ma place parmi les lapins, je ne veux plus qu'on s'inquiète pour moi. Excellente idée. Et moi je promets de vous rendre visite de temps en temps. Écoute Takanashi, je sais que ça a été une journée éprouvante, mais s'il te reste encore un peu d'énergie, je voudrais que tu me dises ce que tu sais du site du professeur. Très bien, je répondrai à ta question. Elle a raison, il nous faut des infos sur le site. Je lui demanderai de me répéter leur conversation. D'accord. Donc fin de la quête. J'aurais pu faire ça la dernière fois du coup. Ok. Ok, ok. Bon. À l'aide. Ah oui, il faut que je péta au lycée quoi. Eh ben, on va prendre le taxi. Le lycée.
Amasawa. Kyoko, Takanashi t'a appris quelque chose d'intéressant sur le site du professeur. Oui, j'étais justement en train de passer notre entretien en revue. Le site étant sur le dark web, je ne pouvais pas y accéder de façon conventionnelle. Le dark web? Il va falloir plus de détails. Le dark web. C'est quoi ce truc? En gros, c'est le côté obscur d'internet. Le quoi? Les sites qu'on peut consulter sont soit en surface, soit dans le deep web. Les sites publics, comme les blogs ou les boutiques en ligne, sont accessibles par n'importe qui, ils sont donc en surface. Le deep web est constitué de sites classiques mais sécurisés, comme les services de messagerie, les documents partagés en privé, etc. Le dark web est totalement différent. Il abrite des sites sur lesquels on ne pourrait jamais tomber par hasard. On ne peut pas y rechercher un site en particulier, comme sur le reste d'Internet. Ces sites-là n'apparaissent pas sur les moteurs de recherche, ils ne sont même pas accessibles à moins d'avoir le navigateur privé approprié. C'est la dernière véritable zone de non-droit de notre société. Un cyberespace où tout est autorisé et même les choses les plus abominables. Je comprends mieux pourquoi on l'appelle le côté obscur. Ça doit être truffé de virus, voire pire. Oui, la curiosité des fouineurs peut leur coûter très cher. De plus, dans le dark web, l'anonymat est sacré, ce qui en fait un terrain favorable pour les cybercrimes en tout genre. C'est d'ailleurs là que s'épanouit le marché noir de nos jours. On raconte qu'avec un peu de patience, on peut acheter absolument n'importe quoi sur le dark web. Je vois. Comme des armes à feu par exemple. Pas que. Faux billets, passeports ou encore animaux clandestins, il existe même des sites qui permettent d'embaucher un tueur à gages. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Et tu penses que le site du professeur fait partie du lot? Non, c'est un peu moins sinistre que ça, mais les élèves qui publient des annonces sur le site ont parfois des requêtes assez abjectes. Yagami-san. Regardez, préparez-vous à découvrir tous les caprices des élèves du lycée Serio. Voyons voir ça. À première vue, ça ressemble à un tableau d'affichage ordinaire. Quel genre de choses les élèves publient-ils? Oh, toutes sortes de requêtes. Je veux réussir mon prochain contrôle. Je veux que mon amoureux secret me remarque. Le professeur a répondu à certaines annonces. Regardez, il a donné le prix pour les réponses clés aux prochains examens. Les réponses aux prochains examens? Il faudrait pouvoir pirater le serveur du lycée pour accéder à ce genre de choses. Je suis sûr que quelqu'un l'a déjà fait. Il peut s'agir du professeur lui-même ou d'un de ses employés. D'ailleurs, il faut avoir une carte étudiant du lycée Serio pour créer un compte sur ce site. Sûrement pour empêcher l'administration et les parents de s'inscrire. Le professeur a vraiment pensé à tout. Monsieur Agami, regardez cette annonce publiée par Dancing Bunny. Cher professeur, je veux que la capitaine de danse du lycée Misaki, Yuri Norizuki, se blesse pendant la finale du tournoi national juste avant d'entrer sur scène. Ruiner son joli minois le soir où elle rêve que tout soit parfait. Club de danse du lycée Misaki. Yuri Norizuki? J'ai déjà entendu ce nom quelque part. Oh! Aux éliminateurs de danse. Oui, l'ancienne idole et superstar du lycée Misaki. Ça a sûrement été écrit par une fille du club de danse du lycée Serio. Ah bon? Qu'est-ce qui te fait dire ça? J'ai vu les publications précédentes de Dancing Bunny et ça semble évident. Dans l'une d'elles, elle se plaint du conseil du club. Dans une autre, elle demande des conseils sur un incident survenu lors d'un entraînement. Je n'arrive pas à croire qu'un membre des Lapins ait pu commanditer l'agression de Norizuki. Monsieur Agami, le professeur risque d'accepter la requête de Dancing Bunny. Ça sent le rossi. Oui, je vais encore devoir vous demander de vous salir les mains et de retrouver ce lapin. D'accord, et on va jamais voir le proviseur du coup? Apparemment, non. Ok. Bon, ben, let's go. Tiens, regardez qui est là. Yagami-san. Monsieur Agami, merci d'avoir convaincu Maïka de revenir. Oui, merci. Pour l'autre jour. Tu es une danseuse talentueuse, ta place est parmi nous. C'est bien vrai. Et maintenant, on a une chance de remporter la compétition régionale. On va les scotcher à leur siège. Tu es au taquet, hein? Mais moi aussi, je ferai tout pour aider les lapins. D'accord.
D'accord, donc faut que je me tape un enregistrement, enfin... Faut que je me tape une danse pour... Au secours... Ah! Bon, bon, facile du coup, hein. Je sens que ça va être un drame. Oh, j'ai zéro réflexe. Je suis un connard. Non. J'ai raté. Et putain. Et je rate la dernière. Non mais vraiment. Non mais là aujourd'hui c'est pas possible. Oh là là. À 3000 points du rang S. On les fera jamais toutes à 100%. Spoiler. Bon, je crois qu'on a terminé pour aujourd'hui. Excellent travail les filles. Bravo. Monsieur Agami, j'aurais besoin de vous parler un instant. Alors putain, alors le truc, c'est que là, les danses, je vais arrêter de les tryhard. Et donc là, celle-là, je l'ai absolument pas en tête. Donc quand ce sera la compétition, il va falloir que je gère les QTE. Ça va être un drame. C'est sûr. Mmh. Oui, qu'y a-t-il? Suivez-moi. Il faut que vous voyez ça. Ouais. Hein? Hé hey. Non. Takanashi, que se passe-t-il? Mon ami me dit qu'elle l'avait aperçu par ici. Oh, oh là voilà. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Kotoko. Tu es de retour au lycée? Non. Tu te rendras au club des mystères? Non, pas vraiment. Allez, ne sois pas timide. Suis-moi. Oh, attendez, je... Allez. Amazawa sera ravi de te voir. Oh. Monsieur Agami. Ah. Nani. Quoi, il y a un problème? Je vous laisse si vous voulez. Eh non, aucun problème. Bienvenue, Itokura. Tu es le troisième membre du Club des Mystères. Ouais, c'est très select. Itokura. Je suis content de te revoir au lycée. Je passerai peut-être au club de temps en temps. Je n'ai rien contre les mystères, après tout. C'est une sacrée collection que tu as là, Nazawa. Et tous les plus célèbres sont chez moi. Tu aimerais que je les emmène au club, un de ces quatre? J'avoue que ça serait sympa de pouvoir les lire gratuitement. Itokura-san. Oh, Itokura. Tu veux bien m'aider avec mon fanzine policier? J'essaie d'analyser quelques romans de car. De car?
paraît qu'une nouvelle traduction vient d'être publiée. On va enfin pouvoir lire une version révisée du mystère de la chambre fermée. On dirait qu'elle est dans son élément. Ah. En effet. Au secours. Alors. Eh ben, retour au club de danse, c'est ça? Hein? À l'aide? Ok. Retour au club de danse, donc. Alors, bon, s'il y a vraiment un défaut que je devrais donner au jeu, en fait, c'est son timing, en fait. Parce que... et je parle pas là, absolument pas des QTE de danse. Hein. Je parle... en fait... Je pense au fait que, en fait, on a trop. En fait, le principal nous presse trop inconsciemment parce que l'intrigue, parce que c'est la boue. Enfin, voilà, il y a la hâte de. Il y a toujours une hâte qui est suscitée dans le scénario. Dans oui, vite, machin. Il y a ça, c'est terrible, faut le faire. Et sauf que. Du coup, on est emmené inconsciemment à se dire bon, vas-y, on y va parce que dans le côté immersif du truc, on se dit non, on va pas faire 40 000 trucs qu'on a à voir pour ensuite y retourner en mode le script d'avant du principal, ça s'est passé à 10 minutes, alors qu'en fait, via les quêtes secondaires, en fait, on a passé des jours et des jours et des jours. Voilà, là, je parle en termes d'immersion. Et du coup, les intrigues de lycée. Je pense qu'elles ont été incorporées à part et il aurait fallu en fait les faire avant de terminer le scénario, je pense. Mais ça aurait complètement pété l'immersion et la timeline en fait de l'intrigue. Et ça, je pense que c'est un défaut. Je pense que c'est vraiment un gros défaut que je pourrais pointer du doigt. C'est que du coup, je pense que tout ce qui est intrigue du lycée, en fait, ça a été intégré mais à part. Sans prendre en compte la timeline du principal. Il y a jamais un moment donné le principal qui te laisse souffler, ou très très peu, où tu peux dire « Ah, bon, maintenant, je respire, du coup, je peux aller m'occuper du secondaire. » Sans que, ça pète cette immersion. Mais bon. Ça reste cool quand même. Quoi, tu me fais marcher, pas vrai? Non, je te jure. Je l'ai vu dans la salle des profs. Ça m'étonnerait qu'il se montre ici, en tout cas. Hé, qu'est-ce qui se passe? Yagami-san. Apparemment, notre conseiller, monsieur Komekado, aurait daigné venir au lycée aujourd'hui. Celui que je n'ai toujours pas rencontré. Hi. Ouais, ça fait un bail qu'il n'a pas aidé le club. Je parie qu'il va filer et qu'il ne passera même pas nous donner un coup de main. Dans ce cas, je ferais bien d'aller à sa rencontre. Hein? Pourquoi faire? Eh bien, je me suis engagé auprès du club de danse, maintenant. À quoi ressemble-t-il? Palichon, les cheveux en bataille. Ses chemises sont toujours froissées, il doit avoir la vingtaine. C'est noté. Si je le trouve, j'essaierai de voir ce qui le travaille. D'accord, donc faut repartir. Secours ? Là. Ouais, c'est dommage, parce que là du coup on se retrouve en endgame à faire des petites intrigues qui sont certes sympathiques mais qui seront jamais aussi prenantes que la fin du scénario. En fait le plus intéressant du jeu finalement on l'a fait, non mais attends, au secours, on l'a fait avant, c'est ça quoi. Et là, bon, si on fait tout ça, c'est vraiment pour dire, bon, vas-y, on va au bout du contenu, parce que ce serait quand même dommage de pas le faire. Attends, mais il me fait passer par où, là? D'accord, j'aurais juste pu monter les escaliers, en fait. Ok. Ah, mais il est là. C'est lui, le conseiller du club de danse? Ah non. Excusez-moi, vous ne serez pas monsieur Komekado par hasard? Et vous, qui êtes-vous? Je suis Agami, conseiller du club des mystères. Dernièrement, je donne aussi un coup de main au club de danse. Ah oui, le proviseur m'a parlé de vous. C'est très généreux de votre part de les aider. Alors, que pensez-vous de leur chorégraphie? Hey. Elles font de gros progrès. La chorégraphie est déjà presque parfaite.
Excellent. Vous savez, c'est moi qui ai créé cette chorégraphie. J'ai toujours été passionné par la danse. Ah non. Vraiment? Vous savez, entre vous et moi, les lapins sont un peu perdus sans vous. Pourriez-vous recommencer à les aider? J'ai bien peur de devoir refuser. Et pourquoi donc? Vous comprendrez sûrement pas. Voyez-vous, je souffre d'une peine de cœur. Oh. Au secours. Je vois. Ma bien-aimée était une danseuse incroyable. Et maintenant qu'elle est partie, le simple fait d'y penser me fait souffrir. Je n'ai pas le choix, je dois me retirer officiellement du monde de la danse. Vous voudriez un prof qui passe son temps à vomir, vous? J'imagine que non. Tenez, je vous donne ça. Ça pourrait vous servir. Manuel de danse? Vous servira plus qu'à moi. Super, merci. C'est ce que j'appelle un échec cuisant. D'accord. Donc en fait, c'est mort, quoi. Mais quoi? Ah, c'est tout? Mais j'ai envie de canner! Bon, bah, let's go, hein! Monsieur Agami, vous avez réussi à convaincre Monsieur Komekado? Non, malheureusement, il refuse catégoriquement de revenir au club de danse. J'en étais sûr. On dirait que vous allez devoir vous contenter de moi. Oh, on est ravis de vous avoir, Monsieur Agami. Vous êtes beaucoup plus fiable que Monsieur Komekado. Mina! Ah ouais, les filles? Oh que oui! On serait perdu sans vous, Monsieur Agami. Vous êtes aimable, patient, et vous nous avez aidé à remporter les éliminatoires. On sait qu'on peut compter sur vous. Vous voyez? Toute l'équipe vous considère déjà comme son conseiller. Vraiment? Alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider les lapins. Bon vent, comme un cadeau, pas un cadeau. D'accord. Au secours. Ah! Attends, quoi? Ouais, non, mais attendez, au secours! Bon, on va traverser celui-là pour essayer de faire un rang S. Non, parce que c'est bon quoi, difficulté normale.
Non, j'ai raté la dernière. Mais quel connard. J'ai fait un perfect, j'ai juste raté la dernière. Je me déteste. Ah non, j'en ai... Comment ça, j'en ai raté 3? Et comment ça, rend A? J'en ai raté 3? Putain. Ah mais c'est infâme. Mina. Parfait les filles. Absolument parfait. Si on continue comme ça, le trophée régional est à nous. Ouais. Yagami-san. C'est le grand jour, monsieur Yagami. La finale de la compétition régionale Jinjincho. Ah. Ouais, j'ai du mal à y croire. Sayaka. Sayaka, tu as vu la vidéo de Norizuki? Oh. Oh, ouais. C'est vraiment impressionnant. Mm-hmm. De quoi s'agit-il? Hier soir, quelqu'un a publié une vidéo de la dernière chorégraphie du club de danse. Du club de Misaki, pardon. Elle a déjà été visionnée 200 000 fois. Tant que ça? En une seule nuit? Bien, on dirait qu'une certaine idole a encore un solide cercle de fans. Mais ce n'est pas juste elle. J'ai vu la vidéo. Et leur choré est phénoménale. Ça m'a totalement captivé. Leur grâce, leur timing, tout est parfait. Et la musique est vraiment unique. Même les solos sont au top. Et nous, on est censé se mesurer à ça. On est dans le pétrin, pas vrai? Mina. Oh, ne faites pas cette tête. Ne faites pas cette tête. Vous avez oublié la devise des lapins ou quoi? Oui, c'est vrai. Danse avec ton cœur. Oh. Je comprends que l'équipe de Norizuki vous rend nerveuse, mais si vous dansez avec autant d'entrain qu'à l'entraînement, vous allez les écraser. Compris? Ouais. Yagami-san. Des doublages de qualité. Monsieur Yagami, on aimerait vraiment que vous soyez là pour nous soutenir. Vous me pressignez quand vous serez prêt? Ah, niveau dans charisme. Eh ben on y va. On va faire ça. Allez, le concours. Bah attends, peut-être que plus on avance dans les concours, plus ça devient dur. La compétition régionale d'Injicho est à nous. Youhou! Mina! Allez les filles, c'est le moment de briller. Ouais! Oh. Mais. Alors tu l'as vu? Hein? Vu quoi? Mon cul? C'était bizarre. Tu crois qu'elle parlait de la vidéo? Oh oui, sans doute. Mais pourquoi est-ce qu'elle aurait fait tout ce chemin pour me demander ça? Elle n'a aucune raison d'être ici. Elle a sûrement partagé la vidéo pour te faire peur. De toute évidence, elle se sent menacée. Je pense qu'elle essaie de te déstabiliser. Tu crois? Ah, je peux choisir la difficulté quand même? Non, mais facile. Après, ça se trouve, on est comme des cons. Parce qu'on sera forcément moins bien noté si on la fait en facile. J'en sais rien. On refait la même. Il y a beaucoup de gens. Beaucoup plus qu'aux éliminatoires. Reste calme, reste calme. Essaye de rester calme. Il suffit de les imaginer en sous-vêtements. Hé, hey, arrêtez ça. Plus vous y pensez, plus vous serez stressé. Vraiment? Oui. Vous devez accepter votre trac et le laisser vous envahir. C'est mon ancien professeur de danse qui me l'a appris. Et quand on commencera à danser, on oubliera complètement le public. On sera trop occupé à faire des étincelles. Rappelez-moi notre devise. Dansez avec votre cœur. C'est compris? Ouais. La plus grande victoire, c'est d'apprécier le moment présent. Alors tirons le maximum de notre trac. Elle aura redonné le sourire, c'est vraiment la pièce centrale de l'équipe. C'est elle qui donne le ton. Mina. Allez les lapins, on se réunit. Bon, c'est maintenant que je dois pas chier quoi. Mais le professeur, il devait faire un truc.
Ça commence mal. J'ai chié ça. Je me déteste, je suis en train de tout rater. Comment ça combo 10 là? Attends, mais y a un truc là. Oh là là. Bon, c'est un drame. Hein. Et je rate la dernière encore une fois parce que bordel de merde. Oh bah là j'étais nul à chier. Yos. Non mais c'était nul. Arrêtez d'applaudir. Oh j'ai fait 10 000 points de moins. Enfin 11 000 points de moins que tout à l'heure. Oh là là. Non mais jamais de la vie je gagne. Nous allons maintenant décerner le prix de la meilleure performance de la journée. La première place de la compétition régionale de danse Zinjitsu revient. Bon, j'arrête cette voix. Pitié. Ouais, plein de sérieux. Ouais. Incroyable. J'ai été nul, mais ça paye. Oh. C'est elle. Alors comme ça, on vient espionner le camp adverse. Hein. Vous travaillez au lycée Serio ? Yagami da. Je suis le conseiller des lapins, Yagami. La performance t'a plu ? Honnêtement, je suis impressionné. J'étais sûr que leur première danseuse changeait la donne. Mais pour ce qui est des autres, elles ont encore du pain sur la planche. Vraiment ? La concurrence est aussi rude que ça ? Cela dit, danser avec leur cœur pourrait les mener loin. Tu crois ? Je m'étais déjà fait la réflexion lors d'une précédente rencontre. Je m'étais dit, ces filles-là ne sont pas très bonnes, mais au moins, elles sont passionnées. Naruhodo. Bien vu. Et tu sais quoi ? C'est leur arme secrète. Yagami-san. Monsieur Yagami, on a réussi ! Yusizono, je vois que la star des lapins est remontée sur les planches. Mais tu n'as pas l'impression que l'équipe se repose un peu trop sur elle ? Comment ça ? Quand une fleur est entourée de mauvaises herbes, elle finit par mourir. Si j'étais vous, je ferais du débayage. Qu'est-ce que tu traites de mauvaises herbes ? J'hallucine. Norizuki est tellement sûre d'elle qu'elle a traversé la ville pour narguer Nishizono. La guerre est loin d'être finie. Aïe. Le niveau d'autorité a augmenté. D'accord. Peut-être qu'on a accès à d'autres clubs maintenant. Hmm ? C'est Kyoko. Monsieur Agami, je vous contacte au sujet de l'enquête sur Dancing Bunny. Vous avez du nouveau ? Malheureusement, non. Mais je continue mes recherches. Eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait vous aider. Mais essayez de passer au QG quand vous aurez le temps. Je veux dire, au club des mystères. Ça marche. D'accord. Bon. Et bon, on doit faire ça, du coup. Et ce sera pour le prochain épisode, je pense. Nous allons juste... Comment ça nous y rendre ?
Bon voilà, bon c'est catastrophique, à mon avis, plus on va avancer dans les morceaux et pire ça sera. Beaucoup trop de paquets de mouchoirs dans ce lycée. Bon, eh bien écoutez, nous nous arrêtons là. Des bisous YouTube, et à très vite pour la suite de nos aventures sur Lost Judgment. Des bisous. Portez-vous bien.